Bonjour à tous, on se retrouve ici à Pendeinlet où Tara est au mouillage depuis la fin de ce dimanche après-midi. Pendeinlet, c'est une nouvelle escale pour nous, toujours au Nunavut, dans le Canada. C'est un village d'à peu près 3000 âmes qui petit à petit gagne en population et c'est le paradoxe de ce village, contrairement à d'autres villages canadiens qui, eux, ont tendance à en perdre. L'activité principale ici, la pêche et la chasse, comme dans des tas d'endroits de l'Arctique, et petit à petit le tourisme qui semble apporter des dividendes potentiels à ses habitants. Pendeinlet est logé au fond d'Eclipse Sound, un merveilleux, merveilleux fjord. Je vous laisse admirer ces images avec tous ces icebergs, ces montagnes enneigées, ces glaciers. On a vraiment passé des heures uniques à bord de Tara à admirer ces paysages d'un autre monde. Un autre monde, c'est vraiment l'impression que j'ai depuis que je me promène à Pendeinlet. J'ai l'impression plus que jamais d'être ici au bout du monde. On est vraiment dans un hameau isolé, très calme, mais avec toujours ces sourires et ces contacts hyper chaleureux et très simples avec les habitants. Dès demain lundi, nous repartons, nous quittons Pendeinlet et nous quittons pour l'instant le Nunavut pour traverser la mer de Baffin, direction le Groenland et Ilulissat, une escale très prometteuse. Après Ilulissat, nous retrouverons une dernière fois le Canada en remontant le Saint-Laurent jusqu'à Québec et je débarquerai à ce moment-là. Donc je vous dis à très bientôt au Groenland.